coup, je regarde derrière. Oui, effectivement, derrière. Oh, je l'ai esquivé. Oh, elle est partie dans la station. Et ils foncent en sens inverse. Oh, c'est violent. Police versus voleur. Un scénario que j'ai créé où 6 avions de chasse contrôlés par des intelligences artificielles pouvant monter jusqu'à 300 km/h vont tenter de m'arrêter par tous les moyens et me détruire. Moi qui contrôlera ce genre de véhicule. Pas très stable. Les intelligences artificielles ont 10 minutes pour m'arrêter. Après ce temps, je remporte le délit de fuite. Mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Et en deuxième partie de vidéo, ce sera moi qui devra tenter d'arrêter un brigand qui réalise un go fast. J'ai 10 minutes pour survivre. C'est parti. J'ai trop peur. Je sais pas comment cette histoire va se finir. Oh. Mais mec, ça commence tellement mal. Je vais essayer de me cacher par là. Je pense dans la forêt ici, ils vont pas venir les flics. Ça va tellement vite, moi je dois freiner parce que sinon je me retourne. Mais il y en a une déjà derrière, je suis mort. Ils sont déjà là, regardez. Ils sont là. Je suis mort. C'est bon, je suis mort. Il va me chasser, il va me tuer. Il va m'éclater dans un arbre. Regarde, il y a les gyrophares qui s'allument. Oh, il m'a loupé. Il m'a loupé, il est parti dans la maison. Il a tapé dans la maison. Let's go. Mais je peux plus tourner. Mais j'ai pété ma roue. Mais j'ai pété ma roue. Attends, comment je vais faire? Vas-y, je passe par là. C'est bon, raccourci. Ça marche encore. Je peux pas tourner, mais je fais à l'instinct. Ah, il y a les premières voitures de police qui arrivent. Il y a la deuxième qui est arrivée là. Les gars, ils ont pas l'air très contents, les gars. C'est bon, pour l'instant, ils m'ont pas eu. Ah, là, ça commence à se vénère un peu là. Ah, y a une troisième voiture qui est arrivée. Ah non, c'est les deux. Ah bah c'est bon, ça y est, ils attaquent. Ils attaquent. C'est fini, les gars. Oh non. Ouais, non, mais vas-y, mais... Je me suis fait défoncer. Ça, face aux voitures de police, il y a peut-être moyen. C'est parti, let's go. J'ai trop peur. Mais moi, les gars, j'ai 2 roues à l'avant cette fois-ci, donc j'ai toutes mes chances de survivre. Mais je dois quand même me méfier parce que je sais pas où ils vont débarquer. Je suis où, ici, là? Mais attends, mais c'est un terrain de chasse, ici. Je peux les voir arriver de loin. Oh, mais il y a une voiture de police. Ok, mon pote, ça va ou quoi? Allez, hop. Le petit brain. J'ai un petit souci avec la police. Oh! Oh, non! Non! Oh, c'est chaud! Ok, il y a 3 voitures de police. Alors lui, il attaque. Alors lui, il a essayé de m'attaquer. Bah alors lui, il m'a pas loupé. Les gars, j'ai survécu 2 minutes. J'ai même pas eu le temps de l'anticiper. Et que c'est parti tellement vite. Je ne sais pas par où ça vient, bien sûr. Il y en a 6, ils vont venir de tous les côtés. Tiens, je vais commencer par me planquer ici dans des petites ruelles, tu vois, ça va les obliger à décélérer. Oh, il y a déjà une voiture de police. Il va avoir des problèmes. Allez, je fuis. Je me casse. Ça commence tellement mal. Les gars, il va me chasser. Il est derrière moi. Il est derrière. Je suis mort. Mais il m'a tellement rattrapé, mais tellement vite. Ah ouais, tu sais faire du off-road, mon pote? Mais les gars, je sais pas pourquoi je reste embourbé ici. Oh, il y a 2 voitures de police qui arrivent. Allez, je suis mort. Allez, je me casse. Il y en a 3 qui ont réussi à venir jusqu'ici. Vraiment, je suis mort. J'en entends un qui est juste derrière moi. Il y a les 2. Non! Je suis trop bête. Mais je suis trop bête, les gars. Mais c'est bon! Bah, c'est plus bon! C'est... Mais non! Bah, non, là c'est cassé. Hein. Bah, c'est bon, laisse tomber. Mais comment ils me malmènent? Je vous ai dit, ils sont programmés pour me détruire. Mais alors là, vraiment? Ah, mais ils ont aucune pitié. Hein. Mais ils viennent de m'éclater dans un mur. Regarde, ça m'a l'air de plutôt bien tourner. Je le sens plutôt bien. C'est parti, je vais me faire péter le fou. Let's go. Et franchement, si je rate mon premier virage, là, mec, au bout de 2 minutes, là, ça va être terrible pour moi. Mais vraiment terrible, et j'espère pas. Hein. On tente un drift avec ça, là. Voilà, pire idée, voilà. Je suis mort. Ouais, mais vas-y, mec, je survis 2 secondes, là, aussi. On fait quoi? On recommence? Très bien, là, on part vraiment pour de vrai. Là, cette fois-ci, si je rate, c'est fini pour moi. Il y a l'autoroute ici, let's go. Il y a aussi une voiture en face. Oh, c'est bon, je l'ai esquivé. J'ai esquivé la voiture de police. Allez, c'est bon, là, je peux peut-être survivre sur l'autoroute. Pas de chasseur à l'horizon, ça veut dire que le mec qu'on a croisé, il s'est peut-être bouffé. Je crois entendre une voiture derrière moi, mais je suis pas sûr. Hein. Du coup, je regarde derrière. Oui, effectivement, derrière. Oh, je l'ai esquivé. Oh, elle est partie dans la station. Oh, purée, demi-tour. Ils arrivent tous derrière. Ils sont là. Mais ils foncent en sens inverse. Oh, c'est violent.
Ok, il y a trois voitures de police là. Il y en a une, je crois, elle a tapé dans la station essence. Je suis pas sûr, mais j'ai cru voir un truc dans la station. Oh, je suis à 180. Mais je rappelle qu'eux, ils montent à 300. Ça veut dire qu'ils vont me rattraper là. Je fais deux fois moins vite leur vitesse. Et si je me tape un mur là, c'est fini. Ils sont là, ils sont là. Je croyais qu'il y avait personne. Oh. 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 Mais casse-toi. Mais casse-toi. Oh, je fais le tège. Oh, je le tège dans le mur. J'ai une roue qui est partie en couille. Hein. Regardez, je suis déformé. Mais à tout moment, je croisais une voiture de police, là, je suis mort. Hein. Regardez, il y en a un qui est mort, là. Je crois qu'il y en a une bonne partie qui sont morts. Hein. Ah, pour l'instant, je les vois pas. Hein. Je sais pas où ils sont. Attendez, j'écoute. Il y en a un qui arrive, j'ai entendu un claquement. J'ai entendu un claquement, les gars. Ils arrivent en ville. Et ils sont là, les deux. Ils sont là. Oh. Allez. Vous allez dire, allez, j'ai esquivé. J'en ai esquivé un, mais pas le deuxième. Oh, waouh. Oh, waouh. Trop bien. Oh, wow. Ok, je prends ça. Il a l'air bien, il a l'air bien. Mais je le sens pas trop non plus. Ah, ah, bah y a une voiture de police juste en face. On l'esquive ou pas? Ah non, il se prépare à me chasser. Bah, bah il va pas me chasser très loin vu que je suis en train de me bouffer les barrières. Ça va donner cette course poursuite, je le sens pas trop. Mais mec, je vais aussi vite que les voitures de police. Oh, ça va être violent, je vous le dis. C'était pas censé se passer comme ça, cette histoire, en fait. Oh, mais ils sont tous là, laisse tomber. Hein. Les 6 sont arrivés. Elles m'ont défoncé. 10 minutes pour attraper le bandit qui part en go-fast avec son véhicule full gonflé. Vous pouvez le voir, regardez. On voit carrément le moteur qui sort. Oh, le vénard, il nous montre son moteur. 10 minutes pour l'attraper avec la voiture de la gendarmerie dans un go-fast. C'est parti. Il faut stopper le go-fast. Il est déjà allé trop vite. Je l'ai perdu. Oh purée, faut que je l'attrape. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut vraiment pas que je le perde de vue, parce que là, si je le perds de vue, je vais pas avoir l'air bête, moi. Oh, monsieur! Monsieur! Attends, je vais mettre le son, il m'entend pas. Monsieur, arrêtez-vous! Je vous ai vu! Je vous ai vu avec votre trafic! Il fait du trafic, regardez, il va en ville. Purée, il va se taper un arbre. Il est dangereux, il roule super vite. Purée, il est en train de taper une pointe, là. Oh, c'est super dangereux dans la descente, là. Mais pourquoi il m'amène ici? Je vais perdre le contrôle, mec, je vais partir dans le décor. Je vais perdre le contrôle. Je le sens tellement pas. Il est où? Il est où? Ah, il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Il a perdu un peu le contrôle. Ah, mais il part. Ok, très bien. Ouais, je répète, on a un élément... Oh là, j'ai failli me taper. J'ai failli me taper le poteau. On a un élément récalcitrant avec son go-fast, là. Il est en train de trafiquer, là. Il est sans trafic, là, je le vois. Je suis le pire flic. Ok, ok. Monsieur! Monsieur! Il m'entend pas, l'enfoiré. Monsieur, ça suffit maintenant. Et c'est pas parce que t'es dans le village des idiots que t'as le droit de faire des trucs comme ça. Oh, mon pare-choc! J'ai perdu mon pare-choc! Et en fait, il me fait faire le tour de la ville. Hein. Mais je vais, mec, je vais partir dans le décor, je le sens tellement pas. Eh, vas-y, il va taper. Tu sais quoi, vas-y, j'accélère. On va voir c'est qui va dérailler en premier. Ça va être moi. Le moteur manque d'huile! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il a tapé dans le poteau! Oh, bah, monsieur, mais vous avez pas l'air bête! Il est parti à pleine balle dans le poteau! Dans ce scénario, nous avons moi, gendarme, qui doit arrêter le go-fast avec une remorque remplie de matos. Allez monsieur, je vais vous arrêter. Pas l'air de respecter les limites de vitesse monsieur. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites encore monsieur? Je vais vous arrêter quand même pour votre matos à l'arrière bien sûr. Info spéciale, nous informons que la police recherche activement un chauffeur orange. Avec une voiture coccinelle, la poursuite est très tendue. Bon vas-y, le stop là. Il faut que je trouve un moyen de le stopper, attends. Mais t'es sérieux là? Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi repop. Est-ce que je peux repop? Il s'est tapé dans les cailloux. Il va falloir que j'essaie de voir si j'arrive à le rattraper maintenant parce qu'il a l'air d'être parti assez loin. Il me reste 3 minutes, hein. J'ai pas tout le temps du monde non plus. Hein. Mais je comprends pas qu'il arrive à me tracer alors qu'il a un vieux camping-car au cul. Ça y est, je l'ai rattrapé. Il me reste 1 minute 40. Allez, monsieur, maintenant ça suffit. C'est fini. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Oh, pneu front. Oh, il a perdu sa cargaison. Il a perdu sa cargaison. Monsieur. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il s'arrête pas le saligo. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, il est coincé. Il est coincé. Allez, c'est bon. C'est réglé. Ah, pas du tout. Mais pas du tout, mais...
comprends pas là ce qui vient de se passer. Attends, j'ai un problème avec ma voiture, en plus elle avance plus. Mais non, mais mec, c'est bon, il est reparti. Ça y est, il est parti faire son go-fast, tranquille. Ouais, mais en 10 secondes, laisse tomber. Attends, en fait, c'est à cause de l'accident que j'ai fait. Allez, c'est fini. Terminé. J'ai éclaté la voiture. Elle roule encore. Attends, c'est une blague. Bon, je vais l'arrêter, coûte que coûte. Attends, c'est une blague. C'est bon, les gars, on va se le faire. Le pire gendarme, mais clairement. C'est fini. C'est un échec. Ça va, il vit sa vie tranquille, hein. Il est en train de vivre sa vie tranquille, lui. Clairement, il a pas eu de problème, rien. Tiens, attends, on va un peu le déstabiliser, tiens.